Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 The Technomancer. Donc on reprend l'aventure dans le dôme, hein, toujours, hein. Donc le dôme d'initiation des technomans, infesté par des espèces d'insectes étranges. Et donc on va essayer de s'en débarrasser, ou en tout cas de trouver leur zone d'entrée. Sinon ils esquivent bien pour des insectes, hein. Faut voir que le bâton est clairement indiqué dans les combats à plusieurs bestioles. Cela dit, je pense qu'il serait peut-être plus pratique d'éliminer plus d'adversaires d'un seul coup. Oula, oui, bah continue comme ça si tu veux, hein. Plus pratique d'éliminer plus d'ennemis d'un seul coup, entre guillemets, via le pistolet en tout début de game et ensuite finaliser une fois qu'ils sont tous groupés. Avec... Alors attendez, il y a un truc ici pour fabriquer des choses. Grand aspirant amélioré, ils sont déjà améliorés à fond, mais est-ce que je... Ah attendez, 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 il y a quelque chose à faire avant. Il y a quelque chose à faire avant. Voilà. Imaginons, voilà, je fais ça. Ça donne quoi au niveau d'ici? J'ai pas accès au niveau 2. D'accord, j'ai pas accès au niveau 2 pour autant. J'ai pas accès au niveau 2 pour autant. D'accord. On va quand même faire un petit tour là-dedans. On va profiter ici plutôt de tout ça. Effectivement, je ne peux rien améliorer. Restance électricité, ça va pas être nécessaire pour le moment. Est-ce que cette chose-là, je peux l'améliorer et améliorer potentiellement ce qu'elle fait? Non. Clairement non. Donc, il vaut mieux aller dans l'armement. On a eu un bâton et une matraque cloutée. Poignée. Joli poignet, encore plus joli poignet, interruption, dégâts améliorés. On va rester sur les dégâts. Hein. Hop. Et le manche, ce qu'ils appellent le manche, d'accord. D'accord, ça peut solidifier, on va solidifier un petit peu le manche, effectivement. Ah, je ne peux pas, je n'ai pas ce qu'il faut comme compo. Ok. On recycle ça alors, du coup. Au niveau du bâton, je l'ai amélioré. Au niveau du bouclier, je ne l'ai pas amélioré. Au niveau des gants, je les ai améliorés. Divers objets, d'accord. Gants, ils sont améliorés. Pistolet à clous, ça peut être rigolo. Oula, ça ne m'intéresse pas visuellement. Désolé. Bouclier. Alors le bouclier est joli. Et il est voué à être sympathiquement amélioré plus tard. On va dépecer tout ça. Des fois que tout ce qui est mauvais cuir, tout ça, ce soit utile à certains PNJ, que ce soit pour la vente ou pour d'autres crafts ou d'autres armures. Hein. On verra ça le moment venu. Cependant, je vais quand même remettre mon armure parce que voilà, le style, hein, le style est important. Voilà. Crac. Et j'ai bien d'ailleurs, j'apprécie beaucoup le fait que le jeu m'enlève mon... Oula. Ah, j'étais empoisonné. Ça, ça me fait une forme de cécité en plus. D'accord. Ok. Ok, ok. Ça se passe plutôt bien malgré tout. Hein. Y a pas de soucis de ce côté-là. Les insectes ne sont pas vraiment une véritable menace. Pour le moment en tout cas. Il faudra vraiment faire attention à tout ce qui est armure. Peut-être même plus encore que les, tout ce qui est armes. Vu la quantité de dégâts qu'on se prend, franchement, il faut peut-être mieux plus se focaliser sur les armures que sur les armes. Il faudra vraiment que je fasse attention à tout ça. Je peux pas passer parce que mur invisible, d'accord. Un mur invisible en scénarium. Ok. Vendu. Vendu, vendu. Alors là, ici, c'est juste un coffre. Ok. Matraque cloutée, j'en ai déjà une. Apparemment, celle-ci est moins bien parce que du coup, je l'ai pas améliorée. Oui, ça me semble logique. Dit comme ça. Ok, donc c'est pas la bonne direction. C'est pas la bonne direction. J'ai juste mérité le coffre, en fait. C'est ça le truc. Je crois que c'est surtout ça que j'ai fait. Ok, bon. Tant mieux. Je le méritais, ce coffre. Je le méritais, ce coffre. Ok, je descends. Vendu. Rien derrière, on y va. Oh, salut les mecs. Hop. Voilà, problème résolu. Dépece-moi ces bestioles. Hop, mauvais cuir, hein, mais ça reste du cuir quand même, hein, mauvais cuir, mauvais cuir. Je suis désolé, hein.
Oh, pardon. Ok. Ah, je ne peux pas tant les étourdir que ça, vous avez remarqué? Est-ce que c'est du poison au sol? Non, c'est pas du poison, c'est juste leur leur espèce de ventre que je crève. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis obligé d'aller par là? Oui, apparemment. Bah, écoute, on y va. Descendons. Non, mur invisible, dommage. Dommage, dommage. Oh, il y en a encore là-bas. Question. Ma portée, c'est quoi avec ça? C'est pas top. On va couper ça. On va voir si je fais autant de dégâts avec ça. Ah non, on en fait bien moins. Ah, quoique, je le one shot quand même. Hop. On va mettre ça. Tiens, bouffe ça aussi. Ah, oh, quel dommage, histoire de portée. Quel dommage. Hop, voilà. Un nouveau point de compétence, un nouveau point de talent. Génial, génial, génial. Les levels grimpent assez vite, je dois le reconnaître. Ok. Et on va bientôt avoir notre sort tempête électrique, ce qui peut être sympa. Être sympa vu qu'on a vu la quantité d'ennemis qu'on a autour de nous, en fait ça peut être sympa. Après on pourra améliorer peut-être les compétences au bâton, on n'est pas toujours la même chose qui apparaissent à l'écran quoi, si possible d'autres animations, tout ça tout ça. Oui, on a encore un truc à mettre effectivement. C'est ici Marcus, c'est ici. Tu as déjà mis un point dans exploration. Ah non, c'est un point que j'ai obtenu par justement l'exploration. Ok, science, piège, furtivité, charisme, artisanat, c'était ça qu'on avait. On avait un point en plus. Soigner un compagnon en plein combat, ça peut être pratique. 20% sur les prix du marchand, ça peut être sympa aussi. Ah là 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 là. Je vais prendre ça, sur le principe, parce qu'on n'a pas de système de crochetage encore. Et je veux qu'au moment, au moment où on en verra un, je veux qu'on soit à même de s'en occuper. Et c'est là que je vais me dire, mais tu as besoin de crochet, Marcus. Salaud. Salaud. Pourriture. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Injection de soin, mine explosive, tiens donc. Ça m'intéresse, ça dit comme ça, c'est... Oh, j'ai une lumière. J'ai une lumière. Ah d'accord, je produis de la lumière. Oh! Intéressant. Intéressant. Par contre, mes mines explosives sont ici, d'accord. Ok, c'est des pièges. Ok, c'est les simples pièges. Je comprends. Ça, j'ai capté. Y'a pas de soucis. Ok, la suite. Bon, ça, c'est clairement une arène. Faut pas se voiler la face, hein. Ok, c'est parti. Ah, je l'ai pas réussi à l'esquiver. Raté. Oh, GG. Putain, elles font mal, en fait. Oh la vache. Ok, je l'ai eu. C'était pas un gros gros gros. J'ai arrêté ma phrase parce que la vue venait du dessus. Donc potentiellement c'est la vue d'un autre monstre en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et j'entends des bruits bizarres. Oh. Péripatéticienne. C'est ça la maman, parce que je veux pas la voir, je veux pas avoir à l'affronter. Non, je... En plus, elle a des gros boobs. Oh là là, puis les dents qu'est-ce aussi, ça me... Non, ça me tente pas. Ah non, honnêtement, là, les filles, non, je veux pas. On l'appelle la faucheuse dans le métier. Bon. Oh la vache. Je pensais qu'elle prenait de l'élan. D'accord, on peut pas l'approcher.
peut porter un coup. Je peux essayer quelque chose. J'ai raté. Pas assez de fluide. Dommage. Elle appelle des copains. Hop. Oh, j'ai mis mon bouclier. Genre ça servira à quelque chose. J'aimerais essayer de l'interrompre. Ah mince. Ouais, ça marchera pas le bouclier. Faut que j'arrête avec le bouclier, c'est stupide. Oh, ça passe. Bon, là ça passe plus par contre. Tiens, essayons ça. Ça, ça passe. Elle m'a counter par contre. Hop. Ah, bien joué. Alors je me demande si j'ai une frame d'invincibilité pendant que je fais ma roulade. Bien joué. Bien joué, sale bête. Ah, par contre, il va falloir que je me soigne. Oui, j'en ai une. Hop. Aïe. Hop. Tu t'es copine, y a pas de souci. T'es trop près. Aïe, d'accord, ça touche. Ah, elle protège son cœur maintenant. D'accord. Aïe, ok. Ok, là c'est par contre ça devient dangereux. Aïe. Ça devient extrêmement dangereux. Ah. Bouffe ça. Tiens, boum. Ça recommence. C'est de l'esquive au bon moment ça hein. Ah, je suis à court de balles. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Tiens, bouffe. Ah la vache. Il y a encore des petites, des petites. Hop. C'est pas elle que je voulais toucher, mais apparemment c'est passé au travers. Why not? Peut-être essayer ça. Ok. Ok, on l'a eu. Fou. Aucune limite à mon... Ah non, c'est surcharge, ça, je crois. C'est pas la fameuse surcharge. Oh, c'est un alien, en fait. C'est pas la fameuse surcharge dont on nous a parlé précédemment. Boum. Bien sûr. Voilà, c'est qui le papa? Moi je sais. On s'est plutôt bien débrouillé, honnêtement. Ah, il a encore le bras qui grésille. C'est ce qu'on appelle la surcharge, je pense. Ok. Alors je me suis plutôt bien débrouillé, t'es venu l'achever. Hein. Merde. Ah, il nous a sorti. Mais non, mais je voulais dépecer le cadavre. Merde. Ah, c'est con. Quel dommage. Il y avait de quoi manger. Éliminez les autres sombres de votre lampe torche disponible dans le menu de pause active. Néanmoins, notez néanmoins que la lumière attirera l'attention de vos ennemis. Oui, ça me semble logique. Ça me semble logique. J'ai pas eu le temps de lire. Explorer les environnements, puis j'ai pas su dire. Ok, donc là on a la messe. Cérémonie d'intronisation. Ils se ressemblent un peu tous, hein. Oh, il a un bras en écharpe, lui, non? Parce que la façon dont il le tient.
who bore witness to the secret with your own eyes, who knows in your heart of hearts that the revelation that he bears is true, and who has understood that this knowledge could cast us into endless pits of despair. As you drink the sap of the world, the water that feeds our lives, abandon the one you thought you were, and instead become our brother, Zachariah Mansur. Alors il s'appelle Mansur parce qu'en fait tous les technomancers s'appellent Mansur. Voilà pourquoi. Tous les marchands s'appellent Goodman, etc., etc., etc. Together we have shared the water and secret. Can you swear to forever protect the knowledge of the earth and to dedicate your life to finding it again? To defend and protect our secret, even with the sacrifice of your life, if need be. I swear. Ah, j'aurais tellement aimé dire non. Welcome, my brother. Ah, il me plaît celui-là malgré tout, c'est un bon garçon. Ah, qu'est-ce qu'ils font tous avec leur bâton? Nous allons tous te frapper à mort. C'est pas ça qui s'est passé? Ah, je voulais être frappé à mort. Tel est ton fardeau, et ceci, paf, la gifle, pour t'en souvenir. But be proud of what you are, and know, no matter what, we are by your side. And that this initiation, as horrid as it may be, makes you forever our brother. You showed the courage of lions beneath the dome. Moi aussi, je voudrais avoir une armure en laiton. You've been made an officer. So I imagine, now that you no longer need my guidance, it will send me elsewhere. With the great and endless pride of having been your teacher over these few years. The honor was mine, Master. No, not Master. It's just Sean now. Ah, c'est beau. Take your assignment as an officer. Count the blessings you've amounted. Those that allowed you to avoid the front thus far. Captain Eliza is waiting in the barracks. She's harsh, but fair. But before you find her, we all know the regulations. Technomancers get no leave from the front in times of war. So being here, I can't even sneeze without a report being written up. But you have a free pass. I need you to go to the exchange district for me. There's an itinerant merchant there who was supposed to arrive yesterday. Just meet with him. The merchants have no ties to abundance and travel among us like shadows. They hear things, whisper things, and pay people to forget they are there. I'm looking for information on any archaeological discoveries that could expose the Earthlings. Information that would help protect our secret. Ask him if they've heard of any such finds. Une petite guerre d'influence en fait, un petit peu de savoir, parce que du coup il doit y avoir des espèces de services secrets. But take care that not a single soul knows what you're after. Not a single soul can hear your exchange with the merchants. Servir pour abondance, d'accord, ok, servir pour abondance, prendre son invitation auprès du capitaine, récupérer des informations auprès des marchands, interroger les marchands. Ouh, ça me plaît tout ça. Ça me plaît parce qu'il y a plusieurs, il y aura sans doute plusieurs factions auxquelles on pourra se frotter, je dirais. Là, nous descendons dans les bas-fonds, je dirais, mais ce n'est pas vraiment là que ça m'intéresse. Comment je fais pour monter ici? Monter. D'accord. Why not? Il va y avoir beaucoup d'exploration, chers amis, hein, je précise. Là, il faudra vraiment qu'on fouille cet univers du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on peut rentrer? On peut rentrer et le garde nous ouvre la porte, en fait. Voilà, c'est pas mal. Hein. Parce que moi, je suis curieux d'aller voir ce qu'il y avait dans la chapelle. Hein. Bonjour. Moi, je suis un mec curieux, chers amis. Hein. Je ne peux pas. Il y a deux personnes ici, apparemment. Ici, je ne peux pas. Et ici, c'est fermé et j'ai l'air con. Laissez-moi sortir, pitié. Ok. Parlez à Yann Mansur. Bonjour. Zachariah, un plaisir, comme toujours. What may I do for you? À propos des rumeurs sur les reliques. What can there be at this excavation site? For us, now, having not been there, we could only speculate.
But should those rumors hold true, there are relics to be had. With those relics comes priceless information, information important enough for them to transport technomancers in droves to the middle of the desert. It makes you wonder. Have they uncovered traces of the colonists' legendary beacon? If you believe the tales, it could resurrect communication with Earth. Voilà, il en parle pas trop. Technomancers have scoured this planet for this beacon. Alors voilà, ça n'a pas été traduit, ça, malheureusement. Ça n'a pas été traduit, mais je vais vous le traduire, chers amis. Il y a une coupure, en fait. Il n'y a plus aucun dialogue entre la Terre et Mars à l'heure actuelle. Les colons envoyés sur Mars n'ont plus aucune communication reçue de la Terre. Les marchands. They are unbound by loyalties, flitting from corporation to corporation. Beyond that, I know little more than myths and legends, often difficult to unravel from the truth, like the tales of hidden mountainside villages stashed with their wealth. Never have I encountered another group that despises and envies in such equal proportions, impugned for lack of loyalty or origin to our superior culture, but regarded for the freedom that comes with that. In truth, though, for me, it is the information they trade in that bears their greatest source of worth, far more than the truth. Ils sont sympas, les technomans, dis donc, hein. Ils sont... What can there be at this excavation? Ah non, ça j'ai déjà lu. For us, now, for two centuries. Ok, la relique. Why, if I may ask, are these relics so important? Each relic is a breadcrumb. Dites-moi si je dois augmenter le son au passage, chers amis. Bygone, yet far more advanced era. We are little more than feral offspring to a once illustrious time filled with scientific and artistic knowledge long since been lost to us. A cultural de-evolution of catastrophic proportions. Oui, clairement. The value of these relics cannot be overstated. Quand on voit les insectes qui se tapent, fragment could mean strides forward in knowledge, leaps forward in time. And in the wrong hands, the extinction of our kind. Et je vois. Je vois, je vois. Merci. Et notre amie. See your captain right away. She is waiting for you at the barracks. I will be happy to talk about your progress later, but I don't want you to get a penalty early on. Et si je fais une autre quête avant? Goodbye, Sean. Goodbye, Zach. Be careful. Ah, il est bien, lui. Je l'aime bien. Par principe, vu qu'on est chez nous. Allez, on est chez nous, je coupe. Hop, peux-tu m'ouvrir la porte, s'il te plaît, soldat? Merci. Soldat, Atum! Pas pourquoi j'ai parlé allemand. Bref. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, on va se balader un petit peu. Oh, une poubelle. Qu'il y avait dans la poubelle? Du mauvais cuir et des débris électriques, ça m'intéresse. Ouh, je commence par faire les poubelles. Je suis un officier faisant les poubelles. Calmez-vous sur les mails. Oh. Une porte entrouverte. Je passe. Allez dans les sous-sols. D'accord. Des gardes. Alors du coup, on va peut-être pouvoir utiliser notre lumière un petit peu là. Hop, voilà. Bah voilà, ça marche. Mais non, j'aurais juré qu'il avait mis quelque chose en lui en fait pour la lumière. Mais non, en fait, je me suis planté. Hein. Je me suis planté. D'accord, des débris. T'as l'air à moitié... Ah oui, non, tu tiens une arme, d'accord. Je vais dire, t'as l'air à moitié agressif. Mais non, ça va. Hop, ok, ouvrir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? D'accord, ça m'intéresse. Il va y avoir des choses ici, non? Oh, un coffre rouge. Verrouillé, donc, je présume. Crocheté. Voyons voir. Ah, mais tu peux te mettre devant, s'il te plaît. Les contrôles sont un peu lourds. Hein. Ah ben voilà. Ok, débris de métal. Why not? J'ai pu voir qu'on a une interface de poids rapidement. J'aimerais bien retrouver autre chose. Voilà, d'accord, ok, débloqué. Hop, ça c'est bon. Ok, ça c'est parfait. On a réussi à trouver, retrouver un petit peu ce qu'on cherchait. J'ai vu les sous-sols. Ça pourrait être intéressant d'aller fouiller aussi un petit peu par là.
façon, on va pas me foutre un blâme le premier jour. Elle est pas si bête à ce point, elle sait pas qui elle a affaire. Allez dans les sous-sols. Oula, j'aurais peut-être pas dû y aller. Ça sent la bestiole. Ça sent clairement la bestiole et ou, là je dirais plutôt, le point de comment de vie d'un compagnon en fait. Toute honnêteté, je dirais plutôt le point de vie d'un compagnon. Vous savez, là, un endroit où il pourrait vivre. Ah bah non, en fait, non, c'est bien. Bah écoute. Ah, verrou niveau 3, d'accord. D'accord, why not. C'est dommage. On a déjà des verrous niveau 3, quoi. Oh, la gueule. Oh, la gueule. Bon. Ici, c'est un verrou niveau 2, donc je ne peux pas. T'as pas de skill. Tu le sais bien. D'ailleurs, le prochain point, il est quand le prochain point est... Alors là, c'est donc le niveau 9. D'accord, on a le temps. On a vraiment le temps, pour le coup. Là, il y a une grande porte, mais il n'y a pas de... Ah, attendez, il y a un coffre. Niveau 2. Ah! C'est pas que ça commence à me saouler, mais... Niveau 3. Oh là 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 là. Là, il y a un truc de construction, par contre. Bouclier de soldat. Injection de concentration. Mine explosive, d'accord. Elle a l'air mieux, hein. Il n'y a pas la régénération de fluide. Puis elle est pas stylée, quoi. Ok, bon, bah écoutez, ça peut-être qu'on peut l'améliorer maintenant. Quincaillerie. Non. Il manque de la quincaillerie, c'est logique. J'en utilise à pratiquement chacune de... Oui, je les avais pas vus, dis donc. Quincaillerie, justement. Quincaillerie, injection de soins, parfait. Qu'est-ce que c'est par là? Oh! Oh, oh, oh! Et donc c'est pacifique ou c'est... C'est pacifique. Non, j'ai rien dit. Et c'est même assez violent. Hein. Ça utilise des pouvoirs électriques. Là autre chose. Ça utilise des pouvoirs électriques. Ça me repousse. Et c'est solide. Hein. Ah la vache. C'est très solide. Je pense que je devrais pas être là. Vache. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le rêve ou vient de se soigner? Non, c'est bon. Ah! Oh, ça n'a pas touché. On va essayer autre chose. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Hop, là ça devrait être bon. Ok, ça c'est fait. Peut-être récupérer le bâton maintenant. Oh la vache. Ok, on va essayer d'électrifier le bâton. Je sais pas si ça va leur faire grand chose. Je bourre un peu. Hop, voilà. Ouh, c'est quoi ces salvettes? Comment on peut garder ça chez nous? Fouah. Dépasse-moi ça. Mauvais cuir, bah dis donc.
C'est quoi ces sales bêtes? En plus, il y avait un coffre rouge que je ne vais sans doute pas pouvoir ouvrir. Parce qu'il faudrait être le niveau 3, machin, bidule truc. Waouh, là 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 là. Il y a du combat. Ok, débris de métal, mauvais cuir, quincaillerie, pourquoi pas. Il y a du combat. Et là, j'imagine que c'est niveau 3, niveau 2. Voilà, donc ça arrive en même, de toute façon. Je ne peux tout simplement pas l'ouvrir. Il y avait un autre chemin par là. Par là, il y a un autre chemin encore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, moi, j'aime pas la foudre. Oh la vache! Ils font des dégâts faramineux dans le coin! Hop! Putain! Aïe! Oh GG! Ça veut dire que j'ai perdu tout mon combat? Non! Non, 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 rechargez la dernière sauvegarde. La dernière sauvegarde, pardon. Faut vraiment que je pense à sauvegarder très souvent. Hein. Oh la gueule! Oh la gueule! Bon. J'avoue, je suis vexé là. Je suis incroyablement vexé. On le refait et on va mettre fin à l'épisode celui-là. Après celui-là, bien sûr. Hein. Je vais tout de même garder mes pouvoirs. Si je peux en buter une, ce serait cool. Par contre, je peux pas forcément. Ok. Peut-être qu'en me plaçant derrière, je peux peut-être avoir accès à une faiblesse. Ah, je suis à court de munitions. Ah là, c'est embêtant presque de pas pouvoir faire ça aussi souvent que je le veux. Ok. Joli. Ils ont une portée qui est encore particulière à déterminer. Hein. Ah mais non! Des locustes, ils appellent ça? Attendez, on peut voir. Locuste. C'est rigolo ça. Viens par là. Boum. Hop, tiens, prends ça. Ok. Oula. Continue à l'utiliser un petit peu en mode rage. Hein. Ça bouffe ça. Bouffe. Et de 1. Ah, j'ai plus de balles. GG. GG, je crois qu'il m'a touché encore une fois. Hop. Crac, c'est bon, on les a eus. Fou. Crac, voilà, on dépece. Je vais quand même réessayer d'avoir l'autre truc derrière. Tant pis pour la durée de l'épisode. Peux-tu bien me dépecer cette saloperie, s'il te plaît, merci. Parce que je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment de la sale bête, hein. C'est de la sale bête. Alors il y en avait une ici aussi que je peux dépecer, voilà. Les coffres, j'imagine qu'il y aura exactement les mêmes choses dedans. Effectivement. On fait une sauvegarde ici. Histoire qu'on n'ait pas encore une fois à recommencer. Faut vraiment que je prenne le... Est-ce que je peux essayer par exemple comme ça? Ok. Yeah.
J'y vois rien. Oh. Hop. Ah, j'aurais eu le ricochet sur les trucs, ça aurait été tellement parfait. Non. Ah, j'ai eu la tique. J'ai touché la tique. Ok, c'est pas grave, je touche la cible qu'il faut. Raté. J'aimerais bien toucher celle qui est juste devant moi, s'il te plaît, merci. Oh, il y en a derrière moi. Hop. Par contre, faut vraiment pas que je prenne le moindre coup dans le coin. Ah, puis ça repop hein. Ça repop complètement hein. Mais non. Mais c'est dégueulasse. Essayons ça plutôt. Ah, vache, elles vont me buter. Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Elles sont bien trop dures pour moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, ok, ok. Bah écoutez, on va remonter, on va sortir des égouts parce que là, ça va pas. Enfin, des sous-sols. Hein? Les sous-sols. C'est pas les égouts, c'est les sous-sols. D'accord, ok. On va en sortir. Et on va se laisser là pour cet épisode. D'accord, je viens de voir le petit symbole de sauvegarde rapide. Ok. Je sais pas s'il y en a une d'ailleurs. Ah, il y en a un. D'accord, ok. Ok, ok. Alors, ok, est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose là-dessus ou pas du tout? Parce que là, du coup. Si, sur le flingue, j'aimerais bien du coup faire un truc. Parce que là, du coup, on est vraiment pas les dégâts qu'il faut. Hop. Ok, au niveau des gants, ils sont améliorés normalement. Ok. Parce qu'honnêtement, je vois pas trop ce que je pourrais mettre. Ah oui, je peux mettre le hachoir maintenant. Ah oui. Je peux mettre le hachoir maintenant. Hop, critique améliorée, interruption améliorée, dégâts améliorés. Dégâts améliorés, ingrédients manquants, d'accord. Poignée, oh. Ouh. Ouh, les trois sont bien. Donc... Est-ce qu'on peut mettre vite fait ça? Vu que c'est disponible. Ok. Et aussi, donc, du coup, on va en profiter pour... tout simplement déconstruire, donc recycler. Tout ce que nous avons qui ne sert pas. D'accord, voilà, ça c'est bon. Ok, bon, on va rejoindre la partie où il y avait des gens, où il y avait de la vie. Il y en avait peut-être par là, remarque. Je vois un coffre. Je vois un établi comme une zone limite de personnage, en fait. Mais après, je vois peut-être trop de choses. Hein. Débris électrique, why not. Là-bas, c'est verrouillé. On va quand même aller faire un tour vite fait pour voir. C'est peut-être comment ça durait vraiment trop longtemps. Et c'est vraiment frustrant, par contre, là, pour le coup. La zone est accessible, mais... Fuck you. Verrou niveau 3, ok. Là-bas, il y a un coffre. Ok. Et c'est clairement un ascenseur ici, d'accord, j'avais bien percuté. Par là, qu'est-ce qu'on a? Notre porte. Une espèce de bureau avec des trucs verrouillés ou pas. Hop, j'ai pas envie d'arrêter ce jeu, il est vraiment bien. Ah, verrouillé. Oh, arrête de parler de ton skill level, tu l'as pas le skill level. Ok. Ok, oui, d'accord, je vois plus ou moins où est-ce que je suis revenu en fait tout à fait en haut. Bah, ce n'est pas plus mal. Là, c'est verrouillé. Oui, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver la sortie. Voilà, c'est par là. On ressort des sous-sols. On n'a clairement pas le niveau pour. Hein. Que ce soit les niveaux ou l'équipement, on n'est pas prêt en tout cas. Allez, dans l'échange. Ok.
Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo!